J'ai pas besoin de bien recevoir, moi. Alors, toi, non, et moi, oui. Oh, je peux plus me le voir. 17 ans, là, que je le supporte. Bonjour, mes gourmandis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super méga giga bien. Je suis au taquet et encore plus dans ce concept de vidéo où, clairement, aujourd'hui, je ne vais rien faire. Je vais glandouiller, je vais savourer ce petit moment de plénitude. La dernière fois qu'on avait fait cette vidéo, en réalité j'étais enceinte, j'avais une bonne excuse. Aujourd'hui, clairement, je n'ai pas d'excuse, mais vu que le concept avait bien plu, on s'est dit pourquoi pas le refaire. Mon mec est sous mes ordres, ça tombe bien, j'ai un petit creux, il est en haut en cuisine, moi ici dans mon lit, et je vais le guider. Oh non, mais j'ai pas mon toki. Il est où mon toki? Comment je vais guider Loïc? Et je vais le guider à l'aide de ce petit taki-walki. Ah bah. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, tu es sous mes ordres? Comme tous les jours. Mais arrête les cagades, tous les jours de quoi? Tous les jours, t'es aux petits oignons avec moi. Bah, c'est ce que je dis. Bon, du coup, petit creux oblige. On va un peu revenir à la base de ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Et j'ai envie que tu combles ce vide estomatique du jour. Ok. Est-ce que je peux essayer de deviner ce qu'on fait? Bah, écoute, j'ai été gentille. Devant toi, tu as déjà les ingrédients prêts. Donc, à partir des ingrédients... Non, essaye de deviner de quoi j'ai envie. Un cookie. Mais absolument pas. Depuis quand tu vois du lait et... Il y a autant d'œufs dans du cookie. C'est vrai. Parce que je vois... Ah non, je croyais que c'était du sel. Il n'y a pas de chocolat. Ah, putain, c'est des chouquettes, Minou. Mais attends, comment t'as trouvé que c'était des chouquettes? Ah, j'ai vu les ingrédients, tout ça, ça m'a parlé. Hein. Espèce de gros mytho. Comment tu le sais? Minou, je te jure, ça m'est venu comme ça. Bon, on va faire abstraction de ta triche. Je vais être gentille. Hein. Même si j'étais censée rien faire, je vais un peu te guider dans cette vidéo. Pour t'aider à faire mes chouquettes. 5 sur 5. Du coup, voilà, Loïc a tout dit, j'ai envie de chouquettes. T'as pas appuyé? Mais je parle toute seule, en fait. Si j'appuie pas, c'est que je veux pas te parler. Donc laisse-moi parler toute seule. Pardon. Merci. Donc du coup, j'ai envie de chouquettes. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur mon blog. La meuf, pas du tout. Bref, je me la pète pas du tout. Donc l'atelierderoxane.com, vous avez le petit onglet mon blog. Du coup, je vais finir mon dessert. J'ai tapé du coup dans la barre de recherche chouquettes. Skir, pépite de chocolat. On a la petite recette des chouquettes. On clique dessus et ce qui est absolument génial sur mon blog, c'est que vous avez en bas de la recette le petit encart avec écrit imprime ta recette et du coup tu as tout le fichier de la recette en PDF que tu peux imprimer ou sauvegarder directement sur ton tel. Très très bon le skir. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai sauvegardé sur mon téléphone. Donc recette chouquette maison, on va reprendre Ninou, je sens que ça va virer la catastrophe, quoique. Je voudrais quelqu'un qui a appris le français et qui pense que le skier. Ah non. La dernière fois, je sais pas si vous en souvenez, pour le premier épisode qu'on a fait de cette vidéo, il avait fait un roulé au chocolat qui était particulièrement incroyable. Ah, imagine, ça tend, ça coupe au mauvais moment. Ça garde le caca, ça reste comme ça. Non, mais c'est juste des fils. Ah! Est-ce que tu es ready pour commencer ces chouquettes de la mort? Ah, mais j'ai déjà commencé, mon amour. Mais t'as commencé quoi, Ninou? Tu sais même pas ce qu'il faut faire. Non, mais j'ai pris ton livre. Mais c'est pas la recette de mon livre, hein. Pardon. Par contre, quand tu parles, est-ce que tu peux attendre que j'ai fini de parler et commencer à parler que quand tu appuies sur le bouton? Parce que j'entends un mot sur deux. Merci. Le TDAH, il a bon dos, je vous le dis. J'ai entendu TDAH. J'ai entendu dire TDAH. Parle moins fort parce que quand même, la maison, elle fait pas 400 mètres carrés. Hein. Pardon. Allez, lance la recette, là. Alors, pour commencer, mon amour, tu vas devoir préchauffer le four à 180 degrés. Je le précise pour nos petits spectateurs, de préférence en chaleur tournante. Merci. Tu dois me dire bien reçu ou quoi, là? Mais non. Quoi? Mais tu dois me dire bien reçu. Mais j'ai dit four, ok, bien reçu. C'est même pas utiliser un four, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Oh. Mais j'entends rien quand tu me parles, parce que tu parles quand je parle. Attends que j'ai fini de parler et appuie quand tu parles. Le four, c'est bon. Ah, voilà, bah fallait le dire. Du coup, alors par contre... Je tiens à le préciser, je ne répéterai pas. Hein. Je dis une seule fois les étapes, t'as qu'à être attentif. Dans ta casserole, tu verses le lait... Le beurre froid, le sucre et le sel. Il me dit toujours pas bien reçu. Oh, écoute, moi, je vais me trouver un petit truc à faire. Bien reçu. La musique. Oh, j'ai dit bien reçu. Excuse-moi, j'étais pas là. Alors, du coup, c'est bon? Oui.
Non, mais en fait, tu dois me dire bien reçu quand t'as eu le message, et après, tu dois me dire ok, c'est fait quand l'étape est faite. Vous avez vu, si on fait pas comme elle a dit, comme elle a décidé, même si c'est la même chose, ça marche pas. Ah non, mais c'est pas un puzzle, c'est un jeu de. Non, mais là, t'as bien reçu ou tu l'as fait? Je l'ai fait. Ben voilà, il sait pas parler aussi. Du coup, alors là, sois attentif parce que c'est un peu compliqué. Hein. Tu vas devoir porter le tout à petite ébullition. Sauf que ton beurre ne doit pas être fondu avant l'ébullition. Je crois avoir compris. Donc du coup, tu te mets à feu moyen quand, et tu mélanges un petit peu pour que ton beurre y fonde. Et quand, une fois que ton beurre il est fondu, t'attends le petit frémissement et tu retires du feu. Dès que t'en es là, tu m'appelles. J'ai pas tout compris. Hein. Du coup, bah moi je voulais faire un petit puzzle, mais ceci n'est pas un puzzle. T'as vu comme c'est incroyable, hein. Comme c'est comme elle a dit elle. Là, on sent l'hyperactif qui, tu vois, j'ai envie de monter, de faire des chrouquettes quoi. Tu l'entends parler en bas là. T'as m'a dit quoi? Il faut que ce soit fondu. Mais elle a pas dit à ébullition. Je vais en profiter pour remercier notre partenaire du jour qui sponsorise cette vidéo ultra premium direct. Alors, je vais vous dire la vérité. J'aurais aimé que Rio soit ici. À la limite, Johan, il peut l'incruster là. Mais Rio est un chat libre et vagabond. Et Rio se promène à l'extérieur aujourd'hui. Voilà, donc du coup, toute la matinée, on l'a appelé Rio, Rio. Mais pas de Rio. Ah, parce qu'il y a la petite et la moyenne ébullition. La petite ébullition, c'est quand ça fait des... Et pour s'assurer de la bonne santé de Rio, on a opté pour une alimentation de qualité et ultra premium direct, vous l'avez compris, répond à toutes nos attentes. Mais il faut pas que ça rentre en petite ébullition tant que le beurre n'est pas fondu. Je vais vous parler principalement de ce qu'on utilise pour Rio, à savoir que sur le site, vous avez vraiment une alimentation très diversifiée pour vos animaux qui s'adapte à toutes les spécificités de vos bêtes. C'est là que je m'aperçois qu'en fait, je la regarde pas cuisiner. Et leurs croquettes sont sans céréales, donc plus digestes, et c'est ce qui améliore l'état de la peau et du pelage de vos animaux. On est vraiment sur la Rolls-Royce de l'alimentation pour vos animaux, fabriquée en France. Moi, c'est ça qui m'énerve en cuisine, c'est l'attente. Des prix attractifs, un max d'ingrédients naturels. Ultra Premium Direct travaille en collaboration étroite avec des vétérinaires nutritionnistes. Ouais, clairement, le chat est mieux loti que nous. Et la marque a un engagement dans la cause animale. Ils accompagnent très régulièrement des refuges en faisant des dons. En tout cas, de notre expérience Rio, comme vous pouvez le voir, de par son absence parce qu'il gambade dehors, Rio ne s'en porte que mieux. Et si vous voulez tester la marque, Ultra Premium offre pour ses nouveaux clients 20% de remise sur tout le site avec mon code Roxane20. Vous pouvez retrouver toutes les informations en barre d'infos juste en dessous. Le beurre, il est complètement fondu, mais ça bouille pas encore. Mais attends, tu t'es mis à combien? À 5. Monte à 7. Bien reçu. Maintenant, tu dois dire que t'es mis à 7. J'ai mis à 7. Dans mon livre, c'est bien reçu. Parce que en vrai, des fois, je crois que... T'as bien reçu? Bien reçu, mais j'ai pas besoin de... Bien recevoir, moi. Alors toi non et moi oui. Oh putain il me saoule, je peux plus me le voir, 17 ans là que je le supporte. Je l'entends qu'elle râle en bas, je l'entends d'ici. Souvent je dis ouais Rio il est dehors, il gambade, mais en vrai souvent aussi il est dehors. Ça boue, ça boue. Enlève du feu, enlève du feu, enlève du feu. Opération réussie. Hors du feu maintenant, tu ajoutes la farine et avec une marise tu mélanges vivement la hors du feu et quand ça fait une pâte tu me rappelles. Ok. Tu m'as pas dit bien reçu. J'ai pas besoin de te dire bien reçu. Oui, à chaque fois que je te dis quelque chose pour me dire que t'as bien reçu mon message, tu me dis bien reçu. Oui, et toi tu le fais pas avec moi, pourquoi moi je le ferai avec toi? Ah vas-y, m'a saoulé, je peux plus me le voir. Énervé. Allez, la Maryse, que vous pouvez trouver sur le site l'atelierdroxane.com. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Oh, merde, oh, ça fait un truc chelou direct. Une souris verte. Je crois que j'ai merdé, yo. Qui courait... Mais attends. Mais bébé, ça fait toujours pas une patte là, ça prend 2 secondes si, normalement. Si, si, ça fait une patte, ça fait une patte. Allô? Bah, ça fait une patte. Mais ça fait une patte ou pas là? Putain. Eh ben, remets sur feu doux, tu mets à 6. Et là, avec ta marise, tu écrases la pâte dans le fond de la casserole pendant 3 minutes. Et dans 3 minutes, tu me dis que c'est fait, tu la retires du feu. Ok. Dis bien reçu. Tu l'écrases dans le fond? Est-ce que tu as bien compris? Je peux pas parler là. Ah vas-y. Voilà, ça c'est typique de Loïc. Hein, ne pas savoir faire plusieurs choses à la fois, il peut pas... Je crois qu'elle dit avec les œufs. Bé, faut que je mette les œufs là? Est-ce que je t'ai parlé de mettre les œufs? Juste sur le feu, tu la dessèches là. Donc tu l'écrases pendant 3 minutes. Merci. C'est Johan, il m'a dit de mettre les œufs. Là, quand elle me répond pas, c'est qu'elle est en train de m'insulter en bas. C'est la mère Michel qui a perdu son chat.
Putain, ça accroche un peu à la casserole quand même. Hein. Ça accroche un peu le bas de la casserole, c'est normal. Qui lui a répondu, son père, son chat n'est pas perdu, il y a perdu. Je connais plus. Ah ouais. Le polenta. Ça crame. Elle me répond pas. Et puis tu peux. Oh, réponds-moi. Ah, j'ai pas entendu. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça accroche un peu le fond de la casserole et ça pue. Ben non, alors c'est pas censé puer, ça accroche, c'est normal, mais baisse un peu le feu. Est-ce que t'as une petite pellicule au fond de ta casserole? Toujours mal. Non. Ah si, j'ai une pellicule au fond là, un peu. J'ai un peu une pellicule au fond. Ah non, c'est mes cheveux. Mais t'es vraiment con, franchement. Retire-la du feu et tu la décuves dans un bol. Ben dire, ça veut dire quoi décuver? Je te jure que je pense que j'aurais pu la travailler encore un peu. Voilà, en fait, on a déjà tourné une vidéo ce matin. C'est bon, elle est décuvée. Oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve quand elle fait ça. J'entends pas, appuie sur le bouton, il y avait rien là. Oui, je t'ai dit, elle est décuvée. Bah, est-ce qu'il l'a dit? Vous êtes témoin, il a rien dit du tout. Bah, écrase-la un peu avec la Maryse là pour qu'elle redescende en température. Ça, c'est la petite technique de Lolo. Quand quelqu'un a peur, on dit t'as les chouquettes. C'est bon, la température a baissé. Non, on dit t'as les chocottes. Non. Je viens de dire une connerie. Je croyais que quand quelqu'un avait peur, tu disais t'as les chouquettes. Mais non, tu dis t'as les chocottes. Oui. T'as les chouquettes. C'est mon TDAH, ça. Non, arrête avec ça. C'est juste que là, t'es con. Bon, du coup, maintenant, écoute-moi bien, là, t'es dans une étape très importante. Je trouve plus mes mots, putain, j'en ai marre. Mais non, je sais pas parler. T'as tes œufs battus, tu vas les incorporer en trois fois. Tu mets une première partie, tu mélanges très très fort avec ta Maryse, et dès que tu vois que c'est bien incorporé et homogène, tac, 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 trois fois, jusqu'à ce que t'aies mis tous tes œufs. J'aurais fait ça au fouet, moi. Bon, moi, c'est pas que, mais là, je n'arrive plus à tenir en place. Alors. Elle a dit trois fois. Oui, mais c'était pas assez bien. Si, je te jure, c'était bien, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça sent bizarre. Est-ce que j'ai... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu sais quand c'est bien incorporé? Bah, tu sais, ta pâte, là, va se diviser un peu avec les œufs. Mais en fait, quand tu vas mélanger, ça va faire comme une pâte à gâteau. C'est liquide, non? Oui, au début, c'est liquide. C'est pour ça qu'il faut les incorporer petit à petit. Je pense que là, je peux y aller pour la troisième couche. Du coup, pourquoi on ferait pas un petit tri là-dedans? Enfin, ou du coup, un nettoyage? C'est assez poussiéreux, n'est-ce pas? Oh là là, pff, c'est chiant. C'est mieux de les manger. J'en ai partout sur le visage, je le sens, non? Merci Gaëlle, qui, comme vous pouvez le voir, me régale en maquillage. Mais tu sais que j'ai mal à la main. C'est incroyable quand même. Sur l'air du drap et puis c'est bon. Sans que je suis pas un monstre en incorporation. C'est crado, hein, dis donc. Mais après, il faut dire que maintenant ma fille. Mais nous, on dirait des œufs brouillés. C'est normal, tu fouettes énergiquement, tu vas voir, ça va faire une pâte. Fouette très très fort, vraiment, avec la Maryse. Je vous dis, il est perdu sans moi. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire tout à l'heure en vrai. Est-ce qu'on arrive à en faire rentrer? Il y a quelques grumeaux, j'ai l'impression. Mais il faut pas qu'il y ait de grumeaux, mélange. Est-ce que t'as mis tous tes œufs là? Oui. Continue à mélanger encore. Ensuite, on a les petits glossy. C'est quoi, il y a des grumeaux, on s'en fout, non? C'est bon, ta pâte à choux est prête? Je la trouve un peu granuleuse. Non mais bébé, ça doit pas être granuleux du tout, hein. J'ai plus de force. Il a du merdeur. Vous voyez, je vais pas avoir de chouquettes. Je suis dégoûtée. Hein. C'est un mascara. Ah non. Ah, j'ai du gloss noir, je sais même pas. Je fais quoi? Oh oh oh, tu baisses dans ton... Je fais quoi? Je t'ai dit, tu baisses dans ton... Je mets en poche à douille, là? Alors quoi? Je mets en poche à douille? Exactement, tu récupères une poche à douille avec une douille lisse que tu glisses à l'intérieur et tu mets ta pâte à choux dans la poche à douille. Ils sont où les poches à douille? Ah mais tu cherches, mon amour. Et tu vois, et il connaît même pas la cuisine. C'est ta place, la cuisine, mon amour, mais je vais trouver. Allez, macho à deux balles. Ok, alors là, j'ai l'impression que c'est petit. Hein. C'est trop satisfaisant, j'ai envie de les tailler même s'ils n'ont pas besoin. Là, on va mettre ça là. Bon, je vais pas vous mentir, la poche à douille, ça n'a jamais été mon kiff. Hein. Quelle petite pince à épiler, qu'est-ce que j'ai là-dedans? La crème pour les cils, pour les sourcils. Ah, c'est pas ouf. Hein. On n'est pas...
On est pas sur un résultat incroyable. Je vais pas vous mentir, c'est pas... Tu sais que moi, les chouquettes, elles seraient déjà finies depuis 45 minutes. Hein. Non, mais mon amour, je galère avec la poche à douille. Mais pourquoi tu galères? Parce que j'aime pas ça, je suis nulle, j'arrive pas à mettre la pâte dedans. J'ai fait quoi maintenant qu'elle est remplie? Tu prépares une plaque de cuisson recouverte d'un papier cuisson et tu vas pocher des petites boules de pâte. Ça doit faire à peu près, tu vois, la taille d'un macaron. Faut pas que ce soit gros, hein, parce que les chouquettes, c'est tout petit. Hein. Donc vraiment des toutes petites boules, mais pas trop petites non plus. Faut que ce soit entre deux. Je mets juste une boule, une petite une douillette, quoi, une doulette. Même pas mal plus petit, en vrai. Je sais pas, tu fais plein de petites boules. Qu'est-ce qui se passe sur Instagram? Wow! Ça traverse. On n'est pas sur un torchon de grande qualité, je vous le dis. Ah, j'adore. Alors, je sais pas si vous suivez ce compte. C'est le média positif. Et il ne partage que des bonnes et des good vibes d'informations. Parce que c'est vrai, hein, maintenant, t'allumes n'importe quel réseau, soit Facebook, TikTok, Insta, un peu partout en vrai. Hein. Enfin, c'est triste, quoi. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, il y a des trucs chelous. Je suis brûlée. Ah, je suis brûlée. Ce genre de truc qui me fait chialer. Voilà, voilà. C'est très mignon. C'est très, très mignon. Celui-là est un peu plus... Un peu plus rougeur. Je pense que pour le blog recette, je vais attendre un peu quand même. Je peux enfourner? Oui. De temps. Quoi? De temps. Bébé, attends que j'ai parlé, j'entends rien. Combien de temps? Mais attends, c'est pas fini là, t'as poché? Oui, le sucre. Alors tu prends du sucre perlé, t'en mets plein sur les chouquettes, merci. C'est pas fou quand même. Hein. Alors, il sait pas où est le sucre perlé. C'est que les gens, quand ils arrivent dans ma boulangerie, ils se disent « Ok, on est sur un truc ultra... » Oh, merde. Le tétraca sombre, un oiseau rare, vient de refaire surface à Madagascar. Le secret de la chouquette, il est dans le sucre perlé. Ça, c'est fou, quand même. J'ai peut-être tenté un truc. Yo, tu peux me donner des pépites de chocolat, s'il te plaît? C'est dingue et c'est une très bonne nouvelle, du coup. Et tac, tu vois. En vrai, moi, TikTok, j'ai du mal à consommer. Hein. Mission réussie. Tu enfournes pendant 30 minutes et dans 30 minutes, on se retrouve. Ça part pour 30 minutes. Donc là, ça fait 19. Il m'a pas dit bien reçu. Ah, mais ça fait 1h30, on tourne. T'as bien reçu ou pas? Quoi? Bien reçu. À tout à l'heure. Je l'éteins. À toute, mon amour. Sache que si je ne reviens pas, je t'aime. Oh, 30 minutes de tranquillité. 20 minutes later. Techniquement, il reste 3 minutes de cuisson, mais je pense que c'est cuit, moi. Attends! Ça marche plus! Le technicien arrive. Parce que t'as lancé le scan, putain. J'ai rien fait. Mon mec est sous mes ordres, clap 2. J'ai rien fait. Allô Louis, tu nous entends? Je vous entends très bien. Ben voilà, c'était pas compliqué, hein. Nino, est-ce que les chouquettes sont cuites? Moi, je pense qu'elles sont cuites, mais techniquement, je te dis, il restait 3 minutes. Je les enlève ou pas? Ah, mais c'est toi le cuistot aujourd'hui, hein. C'est toi qui vois. Je les enlève. J'arrive! Oh là là, mais attends! T'as mis des pépites de chocolat? Ouais, j'attendais des trucs. Bah, Ninou, elles sont trop belles! Je pense que ça manque un peu de cuisson. Ouais. Oui. Ah ouais? Ben oui, elles oui, sont un peu claires, tu vois. La pâte, elle est crue un peu dedans. Tu vois, ça, c'est bien. Ah, tu vois? Mais oui, il faut que ce soit bien coloré. Mais pas mal l'astuce des pépites de... Mais attends, elles ont pas fondu? Franchement, on peut dire que les recettes du blog, elles sont faciles, du coup. Ouais, j'ai galéré. Je t'avoue, l'incorporation des œufs, c'était... J'ai galéré. Putain, elles sont parfaites. Elles sont trop belles. Faut vraiment que je m'améliore dans le pochage. C'est ça le problème. Ça, c'est pas ouf. Mais tu vois, cette fois, les dernières. Celle-là, là, ça manque un peu de gonflant. Mais franchement, elle est pas mal. Je te mets un 7 sur 10. Non. Oui, moins bien que le roulé. Mais quand l'astuce même. De ça. Oui, mais il y en a des pas cuites, il y en a des cuites, il y en a des gonflées, pas dégonflées. Pépites choc, chouquettes. Allez, je goûte avec les pépites. Non, mais vous avez mis un truc dedans. Ah non. Pourquoi vous voulez à tout prix que je les goûte? Non. Non, pas de pépites de chocolat. Tu t'en es bien sorti. Moi, je dis, on va prochainement faire un épisode 3 parce que moi, j'apprécie bien ce concept de vidéo. Mais moi, j'adore. Hein. Voilà, si vous êtes chaud, faites-le nous savoir en commentaire. On vous aime de ouf, de dingue, de malade. On vous retrouve très bientôt ici ou ailleurs. Ciao. Ciao.